Alors, Kurtra, pour la Kiss Production, gars. Écoute, écoute. De ma famille, je suis l'aîné depuis 21 années. De rien, je n'ai jamais manqué. Merci mon Dieu, Alhamdoulilah, d'avoir donné à mon père ce qu'il fallait, qu'il puisse élever ses enfants en toute fierté. Mais assez, son rêve a cassé le jour où nous sommes passés de l'autre côté. Mon petit frère et moi, sans se douter de ce qui nous attendait. Inintentionné, loin d'être impressionné, j'étais passionné. Comme hypnotisé, inspiré par le mauvais que côté. Que l'on me refusait, et à l'époque, j'étais goûté. Je voulais m'évader. Je n'aurais jamais pensé à tout le mal que j'allais faire subir à mon père, aux sales exemples que je donnais sans le vouloir à mon frère. C'est clair, je ne sais pas si un jour je réussirai à me le pardonner. Ceci doit t'étonner, mais lorsque tu te retrouves seul sans personne, abandonné, c'est pas donné. Je suis prêt à payer pour que mon père ne soit plus jamais jamais noyé dans sa tristesse, ton dégoût, son chagrin de la vie. À mon avis, le rêve de mon père aujourd'hui est compromis. Qu'il trime pour ses enfants, ne baissant pas les bras, donnant la charge tel un commandant. Les traits de son visage me rappellent celui d'un combattant. Comme un battant, je l'ai toujours vu fier la tête haute, jusqu'au moment où il a eu le sentiment que tout s'effondrait comme un éboulement. Et tout le temps qu'il avait passé à faire de nous des êtres sensés, nous on s'enfonçait, il y a de quoi s'offenser. Quand tu vois que tu ne fais que foncer dans ce fossé, ses idées furent faussées par cet environnement hostile. Ses efforts furent inutiles, car déjà trop tard, perdu dans le brouillard du doute, je suis revenu seul. Mon petit frère n'a pas su retrouver la bonne route. Tu comprendras la déception qu'a dû ressentir mon père ce putain de jour où ils ont emmené mon petit frère. La roue n'a pas encore tourné, cela n'a fait que s'empirer lorsqu'il a vu son rêve s'anéantir. La chair de sa chair dans sa connerie, détruire son avenir sans réfléchir. À sa place, moi je suis sûr que j'aurais cherché à fuir, à partir loin de toute cette misère, cette galère qui lui laissa ce goût amer. Mais moi je ne pouvais rien faire sauf laisser ce tas s'éclater, qu'on ne pourra plus effacer les accidents du passé. Il y a l'heure où j'écris, mon frère est enfermé, interné, prosterné, consterné pour toute la merde qu'il a causée. Allongé seul sur mon lit, une question vient se poser, frapper. A-t-il réellement pris conscience de ce qu'il venait de taper? En effet, j'ai trippé, flippé, laissé ma peur s'agiter, très sérieusement cogité sur la façon d'enchaîner. Acharné, j'ai gardé l'idée qu'à nouveau je pourrais guider. Ayant mon esprit vidé, j'ai décidé que plus rien ne serait pareil. Ouais, je raye, ouais, je veille pour un futur plus sûr, et mets le passé dans une bouteille.